Et toujours avec nos envoyés spéciaux en Belgique, nous en savons plus sur ces échanges intervenus entre le président du FASO et les ambassadeurs du Burkina de la zone Europe. Des informations officielles sur la situation nationale ont été données aux diplomates en exercice et le président Kafando de leur communiquer sa vision de la diplomatie dans cette phase de la transition. L'un après l'autre, les ambassadeurs donnent les nouvelles de leur juridiction au président du FASO. En l'absence de la conférence classique des ambassadeurs, Michel Kafando dit profiter de ses visites pour rencontrer les diplomates dans les différents ambassades. Aujourd'hui, c'est une rencontre de partage. Je vous donnerai des informations de vive voix. Je sais que vous en prenez tous les jours par la presse, par l'Internet, par tous les moyens de communication. Mais c'est toujours mieux qu'on vous donne les informations de vive voix parce que c'est le plus avéré. Et puis aussi, on va procéder à des échanges, parce que je sais que chacun de vous, dans sa juridiction, a certainement des questions à poser. Ces informations ont porté sur la situation nationale, le processus de la transition. Le président du FASO, ministre des Affaires étrangères, a aussi parlé de son ministère. Nous lisons beaucoup de choses dans la presse, mais de l'entendre de vive voix, de façon officielle, ça nous conforte dans nos positions, ça nous donne plus d'assurance, ça nous permet donc de parler avec plus d'entrain. Bon, la question situation politique au Burkina est bien suivie par les partenaires et donc nous avons toutes les assurances que nous pourrons relayer au niveau de nos partenaires. Bien informés, les diplomates repartent avec de nouvelles missions, celle de mobiliser encore les partenaires autour de la transition.